Avec ses 750 nouveaux logements, dont 35% en prix modéré d'accession à la propriété, la ZAC Caresse Cantinol répond à deux besoins, celui de loger les habitants de la métropole à des prix accessibles, mais également celui de préserver les espaces naturels de la zone. Direction donc la ville d'Eysines pour aller voir de plus près ce projet d'envergure qui s'étend sur plus de 17 hectares. Les travaux ont déjà commencé et les premiers logements sont sortis de terre au début de l'année 2019. Des logements aux typologies variées pour répondre aux besoins des métropolitains. 30% en locatif social, 35% en accession sociale ou accession abordable. Donc en accession abordable et accession sociale, ce sont des prix maîtrisés. Il y a des maisons de typologie T4, T5, qui ont été vendues entre 180 000 et 230 000 euros. Il y a un enjeu très fort sur cette question de pouvoir finalement pouvoir acheter son logement sur la métropole. Et ensuite, il y a 35% de logements en libre. Ça, c'est le marché libre et le prix du marché qui détermine le prix de sortie des logements. Une partie du projet a été classée zone naturelle. L'accent est donc mis sur la préservation de l'environnement. Ici, on a la rue Martin-Port, où on situe la rue Bartrand-Tria, et on situe à ce niveau-là, où on donne sur les sources de Cantinol. La volonté, c'est de conserver, oui, on est dans la campagne aujourd'hui, et c'est vraiment de conserver l'espace paysager, un espace naturel dans ce cœur d'îlot. Et pour faciliter leur déplacement, les 1500 nouveaux habitants attendus d'ici une dizaine d'années auront, au pied de leur maison, deux arrêts de la ligne D du tramway.